Bonjour, alors cette fois, les effets typiques de la fuite irlandaise. Vous êtes sur une chaîne de art et légende et de fuite irlandaise et de musique. Donc là, je vais vous montrer quelque chose de particulier à la fuite irlandaise. Alors, j'ai pas mis mes chaussures, mais vous pouvez battre du pied. Pas si on entend. Voilà. Là pour jouer en ternaire par exemple. Excusez-moi, j'ai un petit handicap, c'est pédagogique, c'est pas les prouesses que je fais. Marc de Joy, ta ta la ta la ta la ta, c'est le ternaire. C'est plus breton. L'effet de consistance est fait par le rythme ternaire. On va essayer d'en faire un petit, facile. C'est déjà un peu trop difficile pour réussir les notes du bas. Voilà. C'est visuel. Essayez de reproduire ce que je fais. Maintenant, n'hésitez pas à mettre la pause. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
C'est des trucs qui font des pirouettes. Un peu comme ça. Je maîtrise pas très bien, j'ai jamais compris. La pause, excusez-moi. Voilà. Alors, un truc qui est très utilisé pour agrémenter la flûte, c'est la reverb. La réverbération ou l'écho, enfin, ces trucs-là, ça donne un super habillage à la flûte. Et vous pouvez démultiplier son pouvoir. Et presque, normalement, on ne fait pas d'accord sur un instrument mélodique. Mais là, en fait, vous pouvez presque le faire. En fait, des tierces. Dans mon appartement, ça résonne un peu. En fait, les notes se mélangent avec la reverb. J'espère qu'on m'entend bien. Dans les commentaires, merci pour les commentaires. On m'avait dit qu'on m'entendait pas très bien, donc il faut que j'achète un micro. Mais comme je dis à 100 à l'heure, c'est un peu compliqué en ce moment, avec tous mes handicaps en plus. Voilà, donc. Mais je vais vous mettre en guise de conclusion, un petit morceau avec de la reverb, interprété par moi, qui s'appelle Woman of Ireland, Ne na Éireann, je ne sais pas comment il prononce en irlandais, qui veut dire femme d'Irlande. À bientôt pour d'autres vidéos.